retrouvons ici dans une salle du Musée des instruments de musique, institution qui a été fondée en 1877, qui était tout d'abord installée au conservatoire, à la rue de la Régence, puisque le musée était attaché à ce conservatoire royal. Les collections étaient censées présenter les instruments aux étudiants. Par la suite, le musée s'est installé donc dans ce bâtiment qui s'appelle Old England, qui fait en fait partie d'un complexe de bâtiments. Il y a la partie Art Nouveau qui est bien connue de tous les Bruxellois et des visiteurs, qui est un bâtiment emblématique de Bruxelles et qui jouxte un bâtiment néoclassique qui fait partie du complexe de construction de la Place Royale. Ce musée a donc été créé en 1877 à l'initiative de Victor-Charles Maillon, qui a été le premier conservateur. Il était lui-même facteur d'instruments et donc il a créé cette collection qui va rapidement devenir l'une des plus importantes au monde, qui présente des collections d'instruments de toutes les époques et de toutes les parties du monde. Alors les flûtes à bec sont à peu près au nombre de 200 dans une collection générale qui comprend environ 10 000 instruments à l'heure actuelle. Nous avons des flûtes à bec d'un peu toutes les régions du monde. Ça va des flûtes à bec mayas aux flûtes à bec occidentales. Et parmi celles-ci, nous avons dans cette vitrine quelques exemples qui nous viennent de la période Renaissance, donc du milieu du XVIe siècle, et notamment une flûte à bec colonne qui est tout à fait intéressante, tout à fait singulière, qui est en forme de colonne antique, mais c'est vraiment une flûte à bec. Parmi les flûtes à bec de la Renaissance, on a quelques exemplaires qui viennent d'Allemagne, comme celle de Caspar Rausch, également du nord de l'Italie, comme celle de Bassano, que nous avons par contre en réserve. Nous sommes ici dans la réserve des instruments à vent, où tous les instruments sont classés par genre, par type. Pour les flûtes à bec, on a quelques exemples qui sont vraiment particuliers, comme cette flûte à bec contrebasse, qui n'est pas un original, mais qui est un fac-similé du 19e siècle d'un instrument de la Renaissance, donc un instrument du milieu du 16e siècle. Donc vous voyez la longueur, vraiment très imposante, en plus avec le bocal dans lequel on devait souffler. Alors on a de très grands instruments, mais on a aussi également des très petits instruments, comme ceci, qui est un flageolet. Nous avons ici un instrument très proche de celui qui est joué dans la séquence vidéo. Donc c'est soit un kshakan, soit une flûte à bec kan, donc qui pouvait servir réellement de bâton pour la promenade, et par la même occasion qui était un véritable instrument de musique. Hein. Donc il y avait le trou d'insufflation, on voit la lumière avec le biseau, les trous de jeu et les quelques clés, ainsi que la partie qui permet réellement d'être posée sur le sol.